qui va se passer, je coupe les buzzers. Je vais vous proposer une image. Chaque fois, c'est une danse traditionnelle de Côte d'Ivoire. Okay. Et vous me direz à quelle ethnie appartient cette danse. Il y aura chaque fois trois propositions. Okay. Ready for the show? Yeah. Ready. Let's go. Première image. Un peu là. Je vais mettre ma cheveux. Pourquoi ils font ça? Alors, d'après vous, cette scène qu'on vient de voir, de regarder, appartient à au peuple Atié, B, Koyra, C, Dan. Koyaka. De la main? Oui. Pardon? Koyaka. Oh là là. Et pour info, ça s'appelle le Do. Okay. Ils n'ont qu'à respecter. Yeah. Tu as mis un match là pour nous, elle n'était pas un match. Yafo. Allons. On va regarder la deuxième vidéo. Pensez-vous que cette danse appartient à au Koulang, aux Abrons, B aux Fulani, C aux Guéré? C'est moi, les Abrons. Et le nom de cette danse est la Doa. Okay. Après, Do, c'est Adoa. Voilà. Okay. Est-ce qu'il arrive aussi un rapport avec le Do? Voilà. Oh. Okay. Tout va très bien. On regarde cette troisième proposition et vous me direz donc à quoi vous pensez. Ok. Est-ce que vous pensez que cette danse, on la retrouve A chez le Koulango, B les Agni, C les Dida? Les Agni. Oh non! Effectivement, c'est les Agni, il fallait dire l'Abodan. C'est ça, t'avais trouvé? Je rappelle que quand vous avez la main, vous avez 3 secondes pour répondre, sinon vous perdez la main. Ok. Regardons cette quatrième image, je connais-tu mon beau pays? Alors attention, ces pas de danse sont-ils A de chez les Abbés, B les Lobby, C les BT? Les BT. Sûr? Sûr. Yes. C'est effectivement le Zagrobi à retrouver donc chez les... Ah, c'était pas le bébé? En plus, c'est mon ethnie. Zagrobi, c'est pas le bébé. Voilà. Dans le pays. Heureusement. Quelque chose qui va vous tuer. Il y a un souci avec nos buzz. Il n'y a aucun souci. En fait, quand un a la main, ça bloque automatiquement tout le monde. Il y a un souci, il y a une Nivakine dedans. Regardons cette autre image. Ok. Zouk. Voilà, motivé, vous répondez. Vas-y, tu verras. Elle a dit tu verras. Purée. Attention. Le nom de cette danse est le Ngoro. Okay. Pensez-vous que c'est une danse de A chez les Sénoufos, B les Ébriers, C Adjoukou? Sénoufos. Sûr? Oui. Wow. Soignez-vous. Soignez-vous. Sixième proposition de ce Connais-tu mon beau pays, on regarde cette autre danse. Ok. Est-ce une danse A de chez les Abidji, B le Baoulé, C le Toura? Le Toura. Abidji. C'est où? Abidji. Hein? Ah bah, c'est Baoulé. Baoulé. Baoulé, c'est le Kotou. Je ne pourrais jamais trouver. Jamais vu. Vous l'avez dit qu'elle n'a jamais vu, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Doucement. C'est comme ça que vous faites là? Non. Je ne l'ai jamais vu. Vous en faites, non? Il y a une avant-dernière proposition dans ce Connais-tu mon beau pays. On regarde. Pensez-vous que cette danse est originaire de chez les Guéré, A, B, Wobé, C, Yakuba?
Merde. Guéret. Quoi? Yakuba. Le Témaké. Mais c'était les Wobé, Wobé. Wobé. C'est chez ma mère, merde. C'est chez sa mère. Non, mais ça aussi, c'est les Yakuba, on a la même danse. C'est chez on le Wobé. On a la même danse, c'est le Témaké. Mais c'est chez sa maman. C'est chez les Yakuba aussi. Le Témaké chez les Yakuba aussi. C'est ma maman, ça marche pas. Voilà, c'est sa maman, voilà. Moi, j'ai fait ça aujourd'hui pour mon ethnie. Il va rater. Voilà, allez, c'est très bien. Dernière proposition, glisse, c'est chez sa maman, pardon. Dernière proposition de se connaître du Wobé pays. Bon, ça va, c'est donné, non? Mon petit conseil, avant de buzzer, il faut regarder si le voyant est allumé. Hein. Ah, c'est ça, ouais, d'accord, ok. Okay, si pensez-vous que cette danse est originaire de chez les A, Jimini, B, Gagou, C, Gouro? Gouro. C'est le Gouro et c'est le Zaouli, yes. Ce qui donne 4 points à l'équipe. J'ai oublié même d'ailleurs.